Nos peaux sont prêtes. Hein. Aussi. Ah, je suis chaud du poignet là. Voilà, maintenant on va mettre le reste du matos obligatoire dedans. Bon, on est avec Myriam et Calixte dans la voiture. On descend au carrosse, c'est ça? Oui. Ouais, on vient de voir le départ et on va essayer de les rattraper à une partie où ils vont devoir déchausser a priori. Pour faire une petite partie en marchant. Et en fait, même en voiture, c'est très difficile de les suivre. C'est pas sûr qu'on les rattrape en voiture. On les rattrape en voiture. On est obligé de foncer, hein, Calix. J'espère que ça viendra. Waouh, pardon. Bah, comme ça. Beau temps pour faire du ski de rando, hein. Bon, ça fait un peu moins de 2 heures qu'ils sont partis, donc ils doivent être proches du sommet. Là, je suis revenu vers l'arrivée et je vais aller attendre les premiers sur le chemin qui est juste derrière la maison où on est. Voilà, plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Et il neige pas mal. Allez, Didier, allez. Allez, Didier, allez. Allez, Didier, allez. Non mais par contre vous êtes bien parce que quand je vois là, ça en arrive encore une flopée là. Ouais ouais. Je sais pas combien on finit, à mon avis on va pas faire les 120 par là. Ouais. Ah il est un peu tendu quand même. Ouais. Ouais. Ah bah oui, quand il y a des impacts, quand il y a des gros impacts en fait, il faut vachement d'énergie pour arriver à libérer là. Mais vous aimez bien quand même, vous passez un bon moment ou pas top? Ben là, ce passage-là était assez moyen, tu prends. Non, mais en général, tu vois, sur la course là. Tu prends pas du plaisir. Ouais, c'est cool. Si, si, moi, il y a des moments où j'étais. Enfin, quand tu sens que tu vois, ça avance bien et tout, que t'es ouais, bon tempo, il y a une ou deux descentes où tu pouvais aller chercher un peu la puff sur le côté et tout, c'est quand même sympa quoi. Ouais. Non, c'est chie tout le long. Mais tu sais, si tu tires vraiment dessus et tout. Non, mais tu te fais plaisir dans l'effort. Tu te fais aussi plaisir dans l'effort, exactement. Tant que t'as pas l'hypo, ça va. Après, c'est horrible, t'avances plus et en plus là, tu te fais mal.